Et bienvenue dans un nouveau débrief du WFC. Je viens de me rendre compte que ma voix est absolument abominable. Salut à tous et bienvenue dans un débrief qui aurait pu devenir... sans toi. Qui aurait pu ne pas avoir lieu maintenant. Et ça aurait pu avoir lieu sans toi. Qui aurait pu avoir lieu sans moi. Qui aurait pu avoir lieu avec Tidiania à présentation et moi ici. En train de... nu. Avec un ventre de long riff. Voilà, salut à tous les amis, débrief Ligue Europa, défaite de l'Olympique de Marseille, 3-1 face à Villarreal, mais la qualif quand même des Marseillais, que ce fut dur, que ce fut compliqué, stressant, malodorant, c'était vraiment voilà, tout ce qu'on craignait pour l'Olympique de Marseille finalement a eu lieu. Non, pas non. Bah on craignait qu'ils se mettent le cucu non, et ils se sont mis le cucu. Ce qu'on pouvait craindre à un moment, c'était que tu finisses par te faire remonter et te faire sortir. C'est pas faux. Donc, ils sont presque fait remonter. Presque. Ouais. Comment va ton slip, Thomas? Je n'en ai plus. Ah oui? Au bout du troisième, j'ai décidé de plus en mettre. Oui. Et d'automatiquement être sur le pantalon. Ouais, parce qu'à 2-0, Thomas ne regardait plus le match avec nous, mais il était au fond. Au fond, fond. Et ouais. J'essaye de petit à petit retrouver mon appareil digestif. Ton Mokolo. Il n'y a que les connaisseurs qui connaissent. Les connaisseurs sont exceptionnellement là à 20h52. Bonsoir à tous. Déjà, Thomas, je voudrais savoir comment tu vas. Bon, j'ai une idée claire de la réponse, mais on a surtout pensé à toi. Pendant, je ne vais pas très bien. Pendant ces 1h45, on a surtout pensé à toi. Je vois un peu flou. Ouais, bah, j'espère que ta voix va s'arranger durant l'émission. Et le pire, c'est que tu vois, je devrais être content d'être qualifié. Je suis un peu en colère. Tu es quoi hein. Soir, je suis en colère. Il y a vraiment quoi. Il y a des raisons. Je suis énervé. Je suis pas hyper heureux, je serai content demain. Ouais. Je serai content. Au moment du tirage au sort, ouais. Je serai pas content quand tu verras quand on va tirer Liverpool. Liverpool. Liverpool, non, Liverpool, t'es en bénéf. Ouais. Tu te fais t'asseoir, tu te fais ton match level. Moi, en fait, tu chopes Liverpool, pour moi, ça doit être match aller au Vélodrome. Ouais. Pour pas que ce soit plié dès le match aller. Tu te fais ta belle soirée et après, tu vois, c'est Liverpool. T'as rien à perdre. Là, ouais, tant qu'à faire, si tu peux prendre une équipe un petit peu inférieure à Liverpool. Pour espérer. Ouais, enfin là, bon. Enfin là, si tu regardes le tableau. Comment il va t-il? C'est cool. Très bien. Salut Thomas, salut Yanis, salut Elton et salut à tous les copains, les copines qui vont nous rejoindre pour cette petite soirée tension, soirée pression, soirée peur, mais soirée bénef à l'arrivée parce qu'on aura bien nos trois clubs français qualifiés en quart de finale de Coupe attention. D'Europe. Attention, moi j'ai dit plus rien. Ouais. Là c'est à domicile. Pour Lille, à domicile. Non, non, franchement, non, honnêtement, Lille. Regarde, Elton, t'es bientôt nu, hein, par contre. Lille déjà reçoit la maison au retour. Ils vont pas se déplacer en terrain hostile comme c'était le cas pour l'OM ce soir. Et dans le jeu, je trouve, avait quand même été bien, bien, bien au-dessus. Donc je pense que là, on peut d'ores et déjà commencer tout doucement à se réjouir. Ça va quand même? Ouais, très bien. Bah oui, on a plein de choses à dire. Le paradoxe de la soirée, de choses à dire, hein. C'est que tu as une défaite quand même assez lourde d'enseignement et que tu as quand même une qualif. Hein, tu veux de l'eau? Tu veux de l'eau? Attends, on va t'amener de l'eau. Ramenez-lui de l'eau. J'ai ma bouteille d'eau, là, si tu veux. J'ai ma badoie. Ça aide à digérer, c'est de l'eau, gazeuse. T'as un top chef? Pas encore. Pas encore. Non. Allez, donne-lui ma badoie. Donne-lui ma badoie. J'ai pas tout fini, mais j'ai bientôt fini. J'ai mal au ventre. On va ramener de la badoie. Non, mais il faudrait du citrate de bétaïne. J'ai mis du citrate dedans. Ramenez du bicarbonate de soude à cet homme. Merci. Qui a bu dedans? C'est moi. Ah, tu vois. Yanis Yemi est avec moi. Comment il va? Merci Yanis. Bonjour Thomas, bonjour Tid, bonjour Elton, bonjour à tous les amis. Ça va très très bien. Je voudrais faire un petit mea culpa parce qu'en débrief la semaine dernière et à 13h aujourd'hui, j'ai dit pas besoin de vendre de la peur, il ne se passera rien de spécial, etc. Wendy, je crois que c'est Wendy qui l'a remarqué dans le chat. Et effectivement, je ne voyais pas ce match du tout. On va en parler et je me suis trompé. Voilà, donc pas de mea culpa pour le point serré à chaque but de Villarreal. C'est faux. C'est totalement faux. Thomas était à côté de moi. Mais toi, j'ai senti. Non. Lui a été taquin. Holton, quand j'ai dit fermez vos gueules, je vous insulte. Il a été très obéissant. Ah, mais moi, qui n'avait pas parlé. Lui, il est arrivé à 2-0. Il avait un rôle ambigu. Très très ambigu. Il savait pas se positionner. C'était l'antagoniste. C'était un mec un peu détaché. Ouais, c'était l'antagoniste. J'ai senti un mec. Ça va les copains? Je sens une odeur un peu bizarre. Ouais, ça va, il y a 2-0. Voilà, j'ai senti un peu le petit enculé. C'est vrai que tu as. Non, mais d'habitude, quand on arrive en cours de match, il y a plutôt une atmosphère assez festive. Ouais, quand on arrive, détendu, ça parle, ça commente, etc. Ouais. Là, je suis arrivé à un open space. Tendu comme ça. Et là, tout de suite, je me suis dit, mais qu'est-ce que se passe-t-il? J'ai deviné un petit sourire. Ouais.
j'ai pas non, aimé. Mais alors, c'est pas du tout narquois ou méchant ou quoi que ce soit. Rien à voir avec moi pendant la canne, par exemple. Ouais. Non, non, non. Non, non, c'est vraiment plus le côté. D'accord. À vous de vivre aussi un petit peu cette sensation. Ah, voilà, c'est à votre tour, mais de bonne guerre. C'est le daron, c'est le papa qui avait les enfants. Oui, moi, j'ai connu. Voilà. À vous de jouer. Voilà. À votre tour. Voilà. C'est à vous. Mais c'est peut-être la première fois que j'entendais les voitures dans la rue, parce que d'habitude, c'est bruyant dans l'open space, mais là, personne ne parlait. Oui, oui, non, honnêtement, l'objectif, c'était de respecter Thomas dans sa souffrance. Personne ne parlait pendant le. J'ai été très, très calme. Ah, sinon, si tu prends pas de patate. Non, mais t'étais de l'autre bout quand même. J'aurais pu enjamber très rapidement les enfants. Parce que Thomas il faisait des allers-retours, il faisait les 100 pas et tout à chaque action de vie. Moi je suis solidaire de la souffrance de mes amis, donc Mais bref. Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. J'ai dit mes amis. Très content quand même d'être avec vous, les Winamis. Alors oui, on a mis le débrief à 21h, il y a des matchs en face. Bon voilà, on a fait le choix. Personne n'a RMC de toute façon, donc personne ne va voir les matchs. Donc voilà, on va passer. On va passer cette heure avec vous pour revenir sur cette défaite de l'Olympique de Marseille. La première. De l'air gassé. Le sommaire, les amis, il est là. Est-ce que je l'ai fait? Ouais, je l'ai fait. Évidemment, l'OM a eu très, très peur. On va essayer de comprendre pourquoi l'OM s'est fait aussi peur face à un Villarreal qui a mis du temps à rentrer dans son rendez-vous. Au moins, on va retourner la table. Je n'ai pas vu un Villarreal très emballant. On en discutera. Et avec toutes les erreurs qui ont été commises sur l'approche, notamment du match. Pour moi, l'approche caca culotte, elle a commencé à la conf de Jean-Louis Gasset quand il a reparlé du OM Montpellier, etc. Donc, c'était un discours pas très positif. On parlera évidemment de Jean-Louis Gasset dans un deuxième temps. On n'a pas compris. On n'a pas vraiment compris ce qu'il a fait Jean-Louis ce soir. Il a une mine un peu stressée à regarder le chrono à partir de la 30e minute. Et même je pense que c'était un réflexe qui n'a pas été le seul à avoir ce soir, de regarder sa montre. Mais c'est vrai que lui, en tant qu'entraîneur, doit diffuser quelque chose. Après, on fera un petit débat évidemment sur la suite de la compétition. Est-ce que ce match-là vous fait un petit peu revoir les ambitions de l'Olympique de Marseille? T'en as un petit peu parlé, le tirage. Il est demain, on va le commencer à le sentir un petit peu ce tirage. Est-ce que tout simplement, pour vous, l'OM est le petit poussé de cette Ligue Europa? Et on terminera avec les notes de ce Villarreal OM, avec quelques cas individuels intéressants à aborder. Beaucoup de flops. Non, mais parlons pas des flops, parlons pas d'Ounaï tout de suite. Attendons un tout petit. Il n'y a pas que lui. Voilà. J'espère que tout le monde va bien sur le chat. Mettez les petits pouces bleus, évidemment. C'est la marche à suivre quand vous êtes sur un live du WFC. En tout cas, la Roma est prévenue. Hein. Pardon ? La Roma est prévenue, parce qu'ils ont le même avantage que Marseille avant d'aller à Brighton à 21h. Mais Ounaï joue à la Roma ou pas ? Oui. Ah, il joue à la Roma. Ok. Est-ce qu'on peut me remettre le compteur de like à zéro, s'il te plaît, Arthur, en régie ? Et ça a été fait. Super. Vous mettez les petits likes, il n'y a que 65 pouces, ça démarre timide. Je vous laisse le compteur quelques secondes, le temps pour nous de résumer ce match en un mot. C'est parti. Et on va commencer. Tiens, par Yannis Yamis. Oui, le match habillé en un mot. Vous vous rappelez de l'émission Télé-réalité au secours, sortez-moi de là? Non, ouais, pas c'est du très tout. Vieux ça. Non, pas du tout. Tu te rappelles pas de ça? Non, j'ai jamais vu. C'est des célébrités qui vont dans des camps militaires. Ils allaient souvent en Guyane. C'est pas la. Afrique du Sud. C'est pas Afrique du Sud? J'ai l'impression que c'était ça en Guyane. Ouais, peut-être Guyane. Ça n'a pas un autre nom? C'était sur TF1. Peut-être que c'est. Au secours, je suis une célébrité. Ouais, c'est ça, c'est surtout ça, ouais. Déjà, le titre est trop long. Ouais, déjà. Mais bon. Avec le colonel Maillet. Voilà, exactement. Le colonel Maillet, ouais. Moi, je l'adorais. J'aimais bien. Je l'adorais. Ça dépasse. Et du coup, ça fait penser à qui? Bon, ça a fait qu'une saison, mais ça dépasse pas le personnage. Ça te fait penser à leur uniforme, c'est ça? Ouais, un petit peu. Ok, bah ils étaient stylés alors. Un petit peu la peucou militaire. Ils étaient beaux gosses alors. Coupe militaire, c'est un peu pas, c'est un peu plus court que ça. C'est du militaire. Militaire bio quoi. À la Wonder Games. Il y avait qui dans le casting? T'avais Mirouf, Moscato, Nathalie Simon. Il y avait Moscato. Ça va, le mec il connaît pas, mais il sort tout le casting. Ça me dit rien du tout. Alors qu'il y avait le mec qui t'a sorti le casting complet. Le nom de l'émission. Ah oui. Le nom de l'émission ne me disait rien, mais quand tu l'as reformulé, évidemment, ça m'évoque des souvenirs. Tu sais ce qu'il nous a dit, lui? Non. Quelle est l'affiche des quarts de finale? Ah non, mais je veux qu'ils soient au courant. Je veux qu'ils soient au courant. Je veux qu'ils soient au courant, c'est mon ami. Je suis avec mon ami. Il va revenir. Quelle est l'affiche de Ligue des Champions qui vous intéresserait le moins? Moins. Il a dit PSG Dortmund. Bah oui. Bah oui.
PSG, t'es obligé de t'intéresser, bah, PSG. Bah oui, mais non, mais. Non, mais là, je fais un pas vers son vers lui. Bah oui. D'un point de vue neutre, c'est l'affiche la plus claquée. On l'a vu en phase de groupe. Il y a un écart de niveau. Dortmund Atletico. Oui, effectivement. Effectivement, à la limite. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'était pour le PSG, quoi. Effectivement, c'est le plus. Pour tout. Ouais, ouais. Je suis désolé, mais si Dortmund, tu regardes. Dortmund Atletico, tu vois. Par rapport au boulot. Oui, par rapport au boulot. Mais il y a un aspect répétition, phase de groupe et match déséquilibré. Bon, moi, je suis pourquoi déséquilibré? Arrête, la Real Sociedad, faut avoir peur. J'ai terminé premier de la poule. Là, il y a eu des matchs. Ils sont 14e de Bundesliga. Ton match en un mot. Non, mon match en un mot, Prout. Prout, c'est mon mot. Ah ouais. Non, mais c'est, franchement, j'ai pas trouvé mieux que ça. Tu sais qu'on a de la chance d'avoir une langue française qui est riche et diversifiée. Oui, certes, mais moi, je suis très, très inculte. Non, mais j'ai vu ce champ lexical de toute façon dans le chat. Ils ont utilisé d'autres mots. Moi, je préfère aller au plus simple parce que, d'une, c'est ce qui correspond, je trouve, le mieux au match de l'OM du début à la fin, vraiment, jusqu'à la dernière minute avant cette action de Aubameyang pour Klose. Et ensuite, c'est parce que j'ai entendu beaucoup ce petit Bowie durant le match à côté de moi, devant moi, à ma gauche, de la part de mes collègues de bureau. Et donc, pour moi, c'est ce qui résume le mieux le match de l'OM qui s'est totalement, pour reprendre Jérôme Rotten, fait caca dans la culotte, quoi. Évidemment. Mais pas jusqu'au bout. Tidiani, ton match en un mot. En un mot, moi j'ai choisi Sablier. Sablier. En mode Fort Boyard. Julien Sablier. Ou j'aurais pu choisir Clepsydre. Mais vous avez compris le principe, parce que pour moi, l'OM aujourd'hui s'est mis dans un périlleux exercice de résistance qui consistait exclusivement à faire courir le chronomètre, qui tournait bien évidemment en sa faveur, mais. Autant on pouvait attendre une physionomie de match où l'OM allait être dans une position attentiste, autant c'est quand même très risqué d'avoir laissé Villarreal entreprendre le siège qu'ils ont fait pendant 90-95 minutes. Donc voilà, t'as pris des vagues quasiment ininterrompues tout le long du match. Et globalement, tu t'en sors vraiment limite avec ce but de Klose à la fin qui t'apporte un grand ouf de soulagement. Donc voilà, pour moi, l'OM a voulu faire courir le sablier et a peut-être perdu de vue ce qu'auraient été d'autres éléments importants à mettre dans son match. On va avoir l'occasion d'en parler pendant 7 heures. Qui a pas fait, Elton? Désolé, vraiment, les gars, je suis plus là. Je suis pas du tout là. Alors moi, mon match en un mot... Système digestif. Tu parles le moins possible. J'ai pas mangé, ouais. Ça va pas du tout. Et de toute façon, on va te soulager. En ce qui concerne le temps de parole... Oh, j'ai peur. Pour me soulager... Parce que là, dire soulager après ce qu'il a dit, je suis pas sûr. Voilà, c'est pour ça que j'ai tout de suite rajouté pour me soulager. En ce qui concerne le temps de parole. Il y a pas beaucoup... Enfin, ouais. J'ai quelques idées, quoi, mais pas sûr que tu sois l'homme idéal. Non, moi, mon match en un mot, c'est angoissant. C'est angoissant, très clairement, parce que l'Olympique de Marseille a permis à Villarreal de croire à une possible remontada, précisément parce qu'à partir du moment où il y avait 4-0, l'Olympique de Marseille pensait plus à défendre cet acquis plutôt que d'aller chercher un nouveau résultat. C'est vrai qu'on va en parler au cours de l'émission, il y a un caractère spécial à défendre un 4-0. Il y a d'autres clubs qui sont bien placés pour le savoir. Et je pense que l'Olympique de Marseille, à partir du moment où il y a eu cette ouverture du score de Capoue, eh bien, ils se sont mis dans une configuration où ils devaient défendre coûte que coûte ce 4-0 avec les circonstances qu'a connu tout au long du match et enfin le dénouement. J'ai beaucoup vu passer le match honteux. Alors moi je dis faisons très attention. Oui, le match, je peux totalement comprendre les supporters marseillais par rapport au caractère honteux de la rencontre. Enfin, mais moi, on aurait dit quoi s'il s'était fait éliminer? Voilà, c'est pour ça moi je garde à l'esprit qu'on parle d'une double confrontation où l'Olympique de Marseille s'est qualifié. Alors oui, le mot est légitime, mais moi j'irai pas coller ce mot à ce qui s'est passé ce soir. Voilà pour les matchs en un mot de nos winamis. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est horrible, l'équipe. De quelle équipe? Ah, c'est le. Hey, Canal rediffuse OM, ouais. Newcastle. Ah, c'est un petit sujet. Non, c'est Real Madrid. C'est un Champions League, c'est Real. Vache ou sec, tu sais que j'aimais franchement, beaucoup. Franchement, pas de gauche. Ouais, Nido, Drogba, Célestini, Meriem, Marley, Perez, Van Buyten, Meite. Cette équipe-là, en tout cas, ce soir à Villarreal, elle se chie pas dessus comme ça. Pardon? Attends, ça dépend de quelle équipe tu parles. Là, c'est la Ligue des Champions. Il y a moins de qualité. Il y a moins de qualité que celle de cette année. Oui, il y a plus de. Ah oui. Il y a plus de. Il y a moins de qualité que cette année. Il y a plus. Il y a un peu plus de papa. Non, 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 non. Il y a moins de. Non, non. T'as pété les plombs. T'as pas bien vu. T'as pété les plombs, mais t'as pas bien vu. Attends, regarde bien le 11. Tu sais, ils ont fini combien cette saison-là, les gars? Ah, c'est contre le Partizan. Ils avaient fini. Ah, le Partizan. Ils avaient fini 7e. C'est Drogba qui est extraordinaire. 7e de Ligue 1, je crois. Ouais, non, c'était vraiment pas bon. Mais non. Quand ça? Si. L'année où. Attends. Parce que ça, c'est l'année où. Derrière, Marley, Lié. Okay. Marley, Célestini, Van Buyten. Vachoussek, c'était pas terrible. Les armes, les frères.
Mais ouais, des darons. Ouais, des darons. Après, il y a le pied quand même à un moment. Bah, ce soir, il y a c'est que même ce moi, soir, j'en ai vu beaucoup. Je vais te dire la vérité, je trouve que Mido était très surcoté. C'est un joueur très, très. Ouais, l'OM en plus. Oui, l'OM. Oui. Enfin bon, j'ai pas beaucoup, j'ai pas d'équivalent Mido. Mido, les amis, continuez de mettre des likes, évidemment, pour ceux qui sont en direct avec nous. L'OM a eu très, très peur. Tidiani, le match, l'OM a complètement raté son match. On en a parlé un petit peu en off, en s'équipant. Ok, il y a la qualif, je disais que moi j'étais énervé. Ok, la qualif est là, mais la prestation de l'OM ce soir, elle est pas loin de friser le ridicule et la honte quand même. Oui, parce que tu passes par la toute petite porte et que tu as ce moment à 3-0 où il reste quelques minutes à jouer et où tu te dis que vu ce qu'ont été les 85 minutes précédentes, bah, à ce point-là, t'es pas surpris si l'OM prend le quatrième. Écoute, globalement, ça part pour moi d'une posture beaucoup trop attentiste avec une équipe marseillaise qui se complique la tâche parce que, quelque part, pour moi, ta première erreur, c'est de laisser le brasier prendre en étant à la limite du refus de jouer. Et à partir du moment où tu laisses le brasier prendre, bah là, tu permets à Villarreal d'enflammer la rencontre, de créer une atmosphère où l'OM est sous tension, où l'OM recule, où l'OM concède beaucoup. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'approche mentale et même sur l'approche jeu. Je trouve que l'OM, là aussi, c'est compliqué la tâche. Là où tu aurais pu imaginer, notamment sur la première période, certains moments où tu peux t'offrir les fameuses petites respirations, les petits temps de contrôle pour un petit peu calmer le rythme et l'ambiance de la rencontre. Baisser les pulsations au final. Ça, tu l'as pas eu. Ouais. Donc en fait, t'es dans une situation d'apnée quasiment permanente où fatalement, il y a des moments où, et ça aurait pu arriver beaucoup plus tôt sans un Paulo Lopez décisif une grande partie du match, où l'OM, en fait, essuie des coups, essuie des vagues, un but, puis deux, puis trois, et puis tu te retrouves à, en fait, plus contrôler grand-chose. Donc au final, l'OM s'en sort, c'est bien, mais évidemment que sur le contenu, au global, c'est assez décevant. T'aurais pu te faire piéger, tu ne l'as pas été, tant mieux. Mais on va dire que là où on avait quand même globalement une pluie d'éloges depuis quelques semaines sur à la fois l'approche des matchs et le contenu, là ce soir quand même ça passe, mais ça passe vraiment très très bien. Et au final, est-ce que c'est surprenant ? Juste pour continuer à planter le décor, les cotes qualif avant le match, l'OM était à 1,01. Villarreal était à 20. Déjà moi le 20, il m'a un peu surpris. Ouais. Vu que sur 217 cas de figure, avec une fois, ouais, une équipe se fasse retourner, on l'a tous en tête, c'est le Paris Saint-Germain. Déjà, la cote à 20 ce matin, en allant au travail, j'ai dit, bizarre 20. Ouais. 20, c'est pas très haut. Moi, c'est du 100, c'est du 150, cette histoire. Ça n'arrive jamais. Bon, en plus, c'est pas arrivé. Mais déjà, donc l'OM n'est pas passé loin d'être assez ridicule. Et on va remettre la répartition des mises uniquement sur ce match. Avec Marseille qui était à 2,90, Villarreal était à 2,30, même Marseille montait à 3 juste avant le coup d'envoi. Les mises étaient sur Marseille. Rien n'indiquait, Elton, que Villarreal allait autant bousculer l'OM, autant faire peur à l'Olympique de Marseille, sur pas grand-chose au final. Et pourtant, on est sur vraiment un match à caractère spécial que représente la Coupe d'Europe, à savoir que gérer un 4-0, c'est pas anodin. Tu as évoqué l'exemple du PSG, mais on aurait très bien pu évoquer l'exemple du PSG en 2021. Il faut se souvenir de ce qu'ils avaient fait contre le Barça au Parc des Princes. On pourrait évoquer d'autres matchs de cet acabit-là. Et là, ça rentre avec cette idée que l'Olympique de Marseille, on l'a vu face à Nantes, n'est pas une équipe de gestion, n'est pas une équipe qui est capable de se sublimer avec de la possession défensive pour faire baisser les pulsations. L'Olympique de Marseille n'est jamais mieux que quand ils vont vers l'avant, quand ils sont sans calcul. Cette notion de calcul ne correspond aux caractéristiques de l'Olympique de Marseille. Parce que généralement, c'est des caractéristiques d'équipe mature. Exactement, c'est là où je voulais en venir. Et là, le pire pour l'Olympique de Marseille, c'est que ce soir, tu tombes face à une équipe qui n'a rien à perdre. Une équipe qui va jouer son va-tout. Si tu veux, on va aller dans la métaphore tennistique. Tu mènes 5-0, t'es à un jeu du match. Et bien là, t'as ton adversaire qui commence à sortir des coups droits. Et là, tu commences à avoir le public qui commence à prendre parti pour celui qui sort des coups droits. Alors que toi, tu dois terminer le match. L'Olympique de Marseille, en l'occurrence, devait terminer cette double confrontation. Mais à partir du moment où il y a le but du 1-0 et à partir du moment où il y a un rapport de force qui se dessine
en faveur clairement de Villarreal, et ben l'Olympique de Marseille a commencé à être rattrapé par cette forme d'angoisse qui se matérialise par le fait que Gasset, tout de suite à la pause, il fait deux changements avec notamment Klose qui monte d'un cran parce que il voulait pas le match-up avec Gonçalo Guedes qui allait l'attaquer sur le côté droit. Donc tout ça pour dire que l'Olympique de Marseille, et ben c'est une autre réalité, à savoir que gérer un résultat en Coupe d'Europe ne fait pas partie de ses attributions. Est-ce que moi, je suis surpris, mon cher Thomas ? Absolument pas, parce que c'est raccord avec la réalité de cette équipe. On a trop oublié ces dernières... Si, je te le dis. On a trop oublié ces dernières semaines, à la faveur des victoires du côté de l'Olympique de Marseille, que ça reste une équipe, comme l'a dit Benatia récemment, une équipe convalescente. Ouais, c'est le score qui te fait dire ça, mais... Non. Ça participe à tout. Non, mais... Avant le coup d'envoi, je vais donner la parole à Yannick. Mais on veut dire que Liverpool, en 9 minutes, a marqué 3 buts. Oui, mais Thomas, de la même manière, avant le coup d'envoi du match aller, tu vois Marseille en mettre 4 à Villarreal ? Quand bien même Villarreal. Je vous dis que moi, quand j'arrive au bureau, je pense que l'OM va gagner. Et ce soir, je vois... Moi, vraiment, à aucun moment, je voyais l'OM se faire caca. Mais évidemment. Je te dis pas ça. Là, je vais passer la balle à Yanis. Non, je vais garder le ballon, moi. L'OM ne l'a pas joué, ce match. Non, mais le match... Dans l'approche. Ce soir, il fallait juste faire un minimum, c'est-à-dire exactement. Courir. En fait, le match de l'OM... En face, c'était pas... Pour moi, le match de l'OM est scandaleux parce qu'en fait, l'OM a donné toutes les munitions à Villarreal pour passer. Si l'OM, aujourd'hui, passe, ce n'est pas dû à un moment parce qu'ils ont eu un regain dans leur performance sur le match. Ce n'est pas dû à autre chose que les prouesses de leur gardien sur la fin de match ou qu'un petit peu de réussite sur la fin de match parce que ils ont concédé 25 tirs, dont 13 cadrés ce soir à l'Olympique de Marseille. Tu peux perdre ce match, tu peux souffrir à des moments, tu peux avoir des moments plus difficiles, notamment en début de match difficile, parce qu'on sait qu'en face, c'est un rapport de force. En face, il y a une équipe qui existe aussi et qui veut mettre la pression et qui a beaucoup plus d'urgence que l'Olympique de Marseille. Et puis, qu'a retrouvé quand même des joueurs qui ont évolué à un autre niveau qu'au match aller. Ouais, et puis surtout, Marcelino a mis une composition beaucoup plus... un peu plus sérieuse qu'au match aller, enfin il s'est raté au match aller Marcelino. Attention, défense avec 4 centraux, elle était scandaleuse. Il a pas fait jouer Caputi directement, il a pas fait jouer Parejo. Là, on va dire que c'était un peu plus qualitatif et un peu plus. Il a retenu les leçons du match aller, on va dire Marcelino. Après, sur ce match retour. À la décharge de Marcelino, faut pas oublier que contre le Barça et contre la Real Sociedad, deux matchs très importants à l'extérieur. Mm-hmm. C'était Comissagna et Coquelin qui étaient au milieu de terrain. Donc Marcelino s'est appuyé notamment sur ses certitudes qui ont volé en éclat au vélo. Ça a totalement manqué. Ah oui, mais après, ouais. Lui te dira que le regain de forme de Villarreal en Liga s'opère avec ce milieu de terrain et il a voulu miser sur ce soir. Et t'avais aussi les cas de Gastro aussi avant le match. Oui, le match aller. Et ce soir, le fait d'avoir Capou. Allez, visiblement, il y en avait une aussi chez l'OM. le fait d'avoir Capou les a totalement, notamment au milieu, permis de dominer. On va revenir sur le match de Capou plus tard. Même pas. Il a été bon. Mais moi. Pour moi, l'OM n'a pas... Alors évidemment, ils se sont qualifiés, mais en termes d'approche du match, de contenu du match, même en imaginant des difficultés dans le match, ils ont rempli aucune case du contrat. Ils ont donné tous les ballons possibles, toutes les munitions possibles à Villarreal pour pouvoir se faire éliminer, pour pouvoir aller en prolongation. Sincèrement, hein, quand il y a le 3-0 déjà, le but du 3-0 sur le coup de pied arrêté, ça fait déjà trois énormes occasions qu'il y avait sur coup de pied arrêté auparavant. 85e, hein, le but 85e. Après la 85e, il y a une énorme double occasion encore une fois. Je veux dire, et à un moment, ça ne s'arrêtait plus. Et tu l'as senti assez vite quand il y a eu le 1-0. Tu t'es dit, mais là, il y a un moment, il y a une occasion toutes les... Tu as eu cette remarque. Et en première mi-temps, il y a une occasion toutes les deux minutes, il me dit, Thomas. Et à la 16e. Avant le 1-0 même. Ouais. Et en fait, il y a une occasion. Et pour moi, tu peux avoir un match où tu vas évidemment être moins souverain, moins dominé, avoir des temps faibles, mais il n'y a pas eu de temps fort déjà d'une de l'OM dans ce match. Il n'y a pas eu de temps où ils ont calmé le jeu, on a parlé de maturité tout à l'heure, où ils pouvaient un peu garder le ballon, peu, et non pas garder le ballon. Un tout petit peu. De manière timide au début de la deuxième mi-temps. Non, mais vrai, parce que ça baisse de rythme temps, en face. C'est le temps où tu as l'occasion d'Aubameyang. Exactement. Mais après, derrière, parce que l'occasion d'Aubameyang leur a fait un peu peur au niveau de la hauteur de ligne aussi défensive, il faut le dire. Et ensuite, même défensivement, tu n'as pas bien géré le match. Tu as concédé occasion sur occasion. Le minimum, quand tu veux jouer un peu plus safe, c'est d'être capable de gagner les duels, de pas concéder beaucoup un rythme d'occasion très élevé. Là, ça n'a pas été le cas. Et donc, l'OM s'en sort, heureusement. Mais ce soir, ils ont eu tout faux pour moi, sur le contenu, ils ont eu tout faux. Mais et en fait, pour moi, la différence, elle se situe où ? C'est la nuance entre être attentiste et être passif. Oui. Tu peux être attentiste quand tu as un 4-0 à l'issue du match aller et que... Logiquement, c'est à l'adversaire de prendre le match en main, de faire le jeu, d'attaquer. Et toi, t'attends, c'est plus à toi de faire l'essentiel du match. Bah déjà, par contre, est-ce qu'on peut mettre la compo de l'OM ? Parce que déjà, la compo de départ, le message envoyé, il va pas en ce sens. Pas forcément, parce que pour moi, la nature des joueurs va pas forcément définir l'attitude des joueurs, l'attitude d'une équipe.
qui doit aller chercher et, ou consolider un résultat à l'extérieur. Mais là où il y a une nuance entre être attentiste et être passif, c'est que tu peux donc attendre, laisser l'initiative de jeu à ton adversaire, mais pour autant presser, mais pour autant ne pas avoir un bloc aussi bas qu'il l'a été dès les premières secondes du match. Sur les projections, et c'est intéressant qu'on revienne aussi sur ce fameux petit temps fort là au retour des vestiaires, des moments comme ça où l'OM aurait été susceptible de faire planer cette menace à Villarreal, bah en fait tu vas conditionner aussi le match de l'adversaire, parce que si eux ils se disent attends, ok, faut qu'on on va dominer le match, on va jouer dans le camp marseillais, mais faut qu'on surveille quand même, parce qu'ils ont un ou deux attaquants qui sont susceptibles de nous crever et ils jouent pour le faire. Mais là, l'OM n'a même pas envoyé ce message-là. Ils ont envoyé le message, on va être soumis tout le match, ouais, c'est on ça. Va faire que d'attendre, que de défendre, et même si on pourrait avoir quelques opportunités sur des comptes en étant juste un tout petit peu plus, et c'est même pas ambitieux, c'est juste lucide, et bah même ça, ils l'ont pas fait. Alors du côté de Villarreal, non mais ça te simplifie encore plus la tâche, parce que t'as même pas besoin de te soucier de ce qui pourrait se passer dans ton dos, t'as juste à te concentrer. Alors sur que une la défense chose, est très c'est très le très siège lente. Du but de Paulo Lopez. Et c'est pour ça que même cette donnée-là, d'un point de vue tactique ou technique, et bah elle a aussi des répercussions aussi sur l'approche psychologique, parce que tu décharges psychologiquement Villarreal d'une contrainte qu'ils étaient censés avoir gérée dans le match. Parce que je peux t'assurer que si l'OM en marque un plus tôt dans le match, bah peut-être que la fin de match n'est pas celle-ci. Et c'est en ce sens pourquoi j'ai pas compris pourquoi Aubameyang ne démarre pas. Parce que t'admets cette idée que... Non, même si tu ne mets pas Aubameyang, tu dois mettre au moins Aubameyang. Non, mais je le comprends. Moi, je ne comprends pas, parce que tu pars du principe que pour toi, le match... Tu gères la 34, moi, je peux le comprendre. Non, mais pour moi, il n'y a pas de gestion à avoir en Coupe d'Europe. C'est la Coupe d'Europe. Et moi, j'ai avancé tout à l'heure l'idée que l'Olympique de Marseille n'a pas de marge de manœuvre. Et quand bien même tu as gagné 4-0, tu n'as pas de marge de manœuvre. T'as 4 buts de marge de manœuvre. Non, mais ça s'est vérifié ce soir, à savoir l'Olympique de Marseille n'est pas une équipe qui, justement, en configuration extérieure, est capable, entre guillemets, de faire baisser les pulsations. La Roma a fait tourner. Oui. Liverpool. Mais t'as pas la même manière. Non, mais c'est pas. On parle de deux choses différentes. Mais tu parles. Non, c'est pas pareil. En gestion. Non, on parle de deux choses. On parle pas de la Roma. La Roma, il peut. Thomas, tu peux pas me mettre sur le même pied d'égalité une équipe de Liverpool qui a le même entraîneur que la Roma. Il a dit la Roma. Non, mais il a évoqué aussi Liverpool. Là, c'est le 11 Liverpool complet. Liverpool, c'est changé. Différent. Hein, il y a le 11 complet qui a changé. Non, mais ce que je veux dire, à la Roma, il y a le 11 complet qui a changé. Je sais pas, on parle de Coupe d'Europe avec un but d'écart. Je suis désolé. Thomas, comparaison n'est pas raison. On a évoqué l'idée que l'Olympique de Marseille reste une équipe convalescente. Et quand bien même tu as gagné 4-0. Tu es capable de faire une rechute. Oui, bah, c'est ce que je suis en train de juste parce qu'Aubameyang manquait. Non, mais attends. Non, c'est pas Aubameyang. Aubameyang participe à ce qu'on a expliqué, notamment avec la composition. Aubameyang, sur la mi-temps où ils jouent, ils sont menés 2-0 hein, avant la dernière minute. Non, donc, mais c'est même pas après, ça. Aubameyang, c'est attention, que... j'en fais pas non plus l'homme providentiel, quand bien même. Non, mais c'est même pas une question d'homme providentiel. Mais ce que je veux dire par là, du côté d'Aubameyang, il arrive notamment dans une dynamique qui est mauvaise. Mais pour moi, tu peux entamer, c'est pas la question d'Aubameyang ou pas, tu peux entamer ce match avec Aubameyang pour le reposer pour dimanche contre Rennes, tu peux le faire, mais c'est pas la raison pour laquelle, c'est pas la raison qui peut expliquer la performance collective de Marseille, où ils ont confondu gestion et soumission, parce que tu l'as dit, c'était de la soumission ce qu'ils ont fait, et non pas de la gestion. La gestion implique quand même une intelligence dans les temps forts, dans les temps faibles, avec le ballon, dans les lignes de jeu, et Tidiani l'a bien souligné dans le fait de menacer la profondeur de l'équipe adverse pour les empêcher de jouer haut. Après l'occasion d'Aubameyang, ils auraient fait reculer un peu. Après l'occasion d'Aubameyang, il y a eu une période où Villarreal était beaucoup moins haut parce que tu fais reculer, parce qu'il faut pas oublier que la défense de Villarreal, on l'a vu sur les quelques points de profondeur, elle est lente, elle n'est pas du tout à l'aise. On l'a vu aussi à l'aller. Et c'est une équipe qui a aussi ses doutes, surtout après le match aller. Et à ce titre, pour moi, si tu ne fais pas jouer Aubameyang, ce qui moi j'entends parfaitement, je ne comprends pas pourquoi dans la gestion tu ne fais pas jouer par exemple Faris Moubagna, qui est un attaquant qui lui peut avoir la rupture, qui lui peut peser sur une défense adverse, et en ne le mettant pas, tu n'as personne pour peser sur la défense adverse et tu acceptes une soumission. Par rapport à tout ce que vous dites, on va passer au prochain débat et on va remettre le sommaire. On va parler de Jean-Louis Gasset. Il y a 8-0 pour Liverpool après 25 minutes. 8-0 Liverpool. Ils viennent de mettre le 8e. 12-12. Ah, 12. Oh, j'ai raté depuis 10 secondes. 12-0 parce que la 22e. Okay. Belle soirée pour Prague. Tu te rappelles de ce match Oui, je me rappelle, bien sûr. C'est une spéciale Drogba. En fait, il y a un documentaire pour ceux qui regardent sur Canal+, foot,
et sur Drogba, et là ils mettent le PSG-Chelsea. Le PSG-Chelsea. J'imagine que t'as... Il me semble, si je dis pas de bêtises, la dernière campagne de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain avant QSI. L'arrivée du Qatar. Exactement. Ah, ils étaient pas forts avant. Sérieux, ils sont pas retournés depuis. Ah ouais, parce que Romain Bédou qui me disait qu'ils étaient toujours, qu'ils ont toujours été très forts. J'ai un doute, hein, mais je crois. Bah, ton dernier match, c'était Sitchef. Non, je crois que t'as raison. Sitchef, hein. Non, c'est Semak. La Ligue met 3 buts et tu recrutes sur une finale de qualif contre le CSK. C'était avec Vaïd. Tu recrutes et qui est. C'était la dernière qualif, c'était avec Vaïd. Ouais, c'est l'année de Vaïd. Il y avait Comboré qui avait failli se qualifier, mais qui avait fini quatrième. Bref, voilà. Et puis, ce match, je m'en souviens très, très bien. Surtout le deuxième but. Tu viens de la célébration de Drogba, surtout. Ouais, le deuxième but. Il l'aimait, ce club. Hein. Il est revenu, d'ailleurs. C'est un match ridicule de la part de l'OM. Il n'avait pas battu une fois le PSG avec l'OM. Donc, il fallait bien qu'il revienne avec la super équipe de Chelsea. Pourtant, il était resté longtemps. Pour battre le Paris Saint-Germain. Il était resté longtemps à Marseille. Ouais, il n'a pas eu beaucoup de possibilités. Bah oui. Ça reste quand même 0 sur 2. Ou 0 sur 3 même peut-être. Il y avait eu un match de coupe cette année, non? Il y avait un match de coupe. Ah ouais, avec Drogba. Un match de coupe, ouais. C'est sûr qu'il a été perdu, mais en championnat, les scores, je ne les ai plus en tête. Voilà la modestie. Pour moi, je crois que c'est l'année du braquage de Fabrice Suarez. Où il te le met à la 90e, ah ouais. Là, alors qu'il n'y a pas un tir du PSG dans le match. Il est infâme. Allez, on va s'intéresser à Jean-Louis Gasset. Vous avez vu la compo, on vous la remettra tout à l'heure. Elton, je vais te redonner le ballon. Première défaite, c'est quand même un enseignement, ouais. Ce soir. Il n'y a pas l'élimination, heureusement pour papy Jean-Louis Gasset. Papy, c'est affectif. Hein. Oui. Et là, ce soir, on a parlé du 11, tu as parlé d'Aubameyang. Unai, on va pas parler de la performance immonde, affreuse et dégueulasse. Le joueur est dégueulasse. Mais plus sur le choix de l'avoir sorti à la 78-19. Ouais, pour Luis Enrique. Sur ce qu'il a pu faire de Jonathan Clauss sur la deuxième mi-temps, ouais. Sur voilà. Est-ce que ce soir, Jean-Louis Gasset, il a tiré à côté? Ah oui, il a tiré à côté, et ça, c'est pas infamant de le dire, parce que de la même manière que Jean-Louis Gasset était l'homme qui était mis en avant par rapport aux récents résultats de l'Olympique de Marseille, au point même de parler d'un possible maintien la saison prochaine, bah Jean-Louis Gasset est responsable de ce qui s'est passé ce soir, parce que, encore une fois, ce soir, il y avait un match particulier à gérer. Un 4-0 que tu devais protéger, que tu devais bonifier sur un match retour à l'extérieur avec une équipe qui reste convalescente. Et par rapport à ça, Jean-Louis Gasset s'est dit que voilà, il y a de la rotation à faire, parce que d'un côté tu te dis, ouais, c'est un match de Coupe d'Europe, mais en même temps il y a 4-0, il y a Rennes qui a un match très important, un match quasiment à 6 points, il y a une logique de gestion. Et même au-delà de ça, mon cher Thomas, il y a cette idée d'impulser, notamment sur la rencontre, cette idée de reprendre la main sur les événements. Et là, on a vu un Jean-Louis Gasset qui a tenté à la pause, qui a essayé justement de faire baisser les pulsations du côté de Villarreal, sans pour autant que ça marche. Et petit à petit, la pression elle est montée crescendo. Il a essayé de trouver des solutions. Il a essayé d'être le mécano qui allait faire en sorte que la voiture soit compétitive. Mais ça n'a pas été forcément le cas. Et donc là, pour le coup, il s'en sort bien parce que Jonathan Clauss se met un but très important. Mais effectivement, c'est la première sortie de route, pour rester sur la métaphore voiture. Mais est-ce que ça va être impactant pour la suite des événements? Je ne pense pas, parce que une fois qu'on a critiqué l'Olympique de Marseille par rapport à la prestation de ce soir, quand on va se projeter, notamment pour le tour suivant, quand on va se projeter pour les dernières semaines de compétition du côté de l'Olympique de Marseille, on sera aussi intelligent pour dire qu'il faut faire le distinguo entre ce qui s'est passé ce soir et ce qui va se passer sur la suite. Et je pense que Jean-Louis Gasset est une personne suffisamment intelligente pour se dire que voilà, il y a un match où on est passé à côté, moi y compris, et que je suis capable de me corriger dès le prochain match. C'est une piqûre de rappel pour Jean-Louis Gasset, pour ce qu'il a pu faire, et peut-être sur la réalité de son effectif, de son 11. Non, mais sur la réalité, en fait, de l'OM, dans ce qu'est aujourd'hui la dynamique du club et de la saison. C'est vrai qu'on a eu une très belle éclaircie dernièrement, avec non seulement une belle série de victoires, mais aussi la manière, des buts, voilà, le retour du sourire. Mais, et Elton l'a bien souligné tout à l'heure, ça reste une équipe quand même convalescente, avec des failles, et qui n'a pas forcément encore la maturité tactique pour pouvoir affronter des environnements comme celui de ce soir. Mais moi, je vais peut-être en surprendre plus d'un, mais moi, sur l'aspect purement tactique, ce soir, je ne vois pas d'énormes bévues de la part de Jean-Louis Gasset. Moi, autant je peux lui en vouloir sur le conditionnement. Ça, c'est vrai. Ouais, exactement. Ouais. Sa conf, elle n'est pas bonne. Hein. Non, mais oui. La conf, il participe. Mais je pense qu'il n'y a pas que la conf, il y a aussi tout ce qui se passe. Ce qui fait de Clauss en deuxième mi-temps, tactiquement, c'est non, pas mais inspiré. D'accord, mais Thomas. Et c'est un coach qui est en urgence. Commençons par le 11 de départ. On peut le remettre, s'il te plaît. À part Aubameyang,
il y a pas non plus, c'est pas une équipe. Non, sur ça je suis d'accord. Tu vois, la défense, c'est une défense qui peut être mise titulaire dans un match de championnat. Tes deux pistons, c'est les titulaires. Il a quand même changé de système volontairement pour ce match, hein. Pardon ? Il a changé le système pour ce match. Oui, mais après, à la décharge de Gasset, on nous expliquait le système à trois. D'accord. À la décharge de Gasset, c'était théorique. Mais Gasset, il fait pas sa compo selon les dires de Twitter il y a 4 semaines. Sa réussite, elle était sur un système à 4 avec un follow. Faut pas m'expliquer qu'aujourd'hui le problème c'est le système, alors que pendant 3 mois de Gattuso, on nous a bassiné à nous dire que fallait l'OM joue avec ce système. Je ne t'explique pas que optimiser les je ne t'explique pas que le problème c'est le système. Mais je te dis que de changer le système, avec une animation différente, c'est envoyer le message si que sur ce match on va peut-être jouer plus bas. Ce soir, on fait un débat pour expliquer le match de l'OM et qu'on commence à parler du système. Excusez-moi, là, on s'égare. Non, ça, parce que regarde, très clairement. Parce que tu parles, on parle. La question elle est tactique. La question elle est sur l'aspect tactique. Je te dis juste sur moi, elle est sur Gasset. Et Gasset, il fait pas que de la tactique. Il fait aussi du management. Il fait aussi du conditionnement par rapport à un contexte, par rapport à un environnement, par rapport à un adversaire. Et moi, je te dis, Yanis, sur l'équipe, que ce soit système ou le choix des hommes, ça ne me choque pas. Parce qu'encore une fois, tu as un 4-0 à l'aller, tu as une routine en Ligue 1 à gérer. Et moi, je te le dis parce qu'aujourd'hui, on parle en ayant l'issue de l'histoire. Mais si l'OM, ce soir, fait jouer Aubameyang, qu'Aubameyang sort à la 35e minute de jeu parce qu'il se blesse et que tu le perds pendant 3 matchs de championnat et que ce week-end, tu perds ton match de Ligue 1, eh ben, on va revenir et on va expliquer que Jean-Luc Gasset est un pitre parce qu'il aurait dû reposer Aubameyang 34 ans. Ne parlons pas de ce qui n'a pas été fait. Non, mais je dis ça pour justifier l'approche de Gasset sur ce match. Ils ont recruté un 9 cet hiver à 8 millions, non ? Si tu veux pas parce qu'il y a la tactique et il y a ce que inspire ta tactique. Ouais. Si tu veux pas inspirer le fait de reculer, qui est peut-être aussi d'ailleurs une donnée tactique qu'il a volontairement fait, d'être plus bas sur le terrain avec une défense à 5, à 3 axios, etc. C'est ça le problème, Yannis, oui, mais la tactique. Le fait qu'Aubameyang soit là ou qu'on joue à 3 ou à 5 derrière. Ah, mais moi je suis d'accord que tout à l'heure j'ai dit Aubameyang. On est tous d'accord. Aubameyang reposé, je suis d'accord tout à l'heure là-dessus, je trouve ça logique moi. Moi je pense que. Donc c'est pas un problème de tactique. Toi t'es pas d'accord. Mais la tactique elle s'arrête pas. Il bouffait à la mi-temps, il change de mec. Mais la tactique elle s'arrête. Mais la tactique elle s'arrête pas. La tactique ne s'arrête pas Aubameyang. Le fait de changer de système, de jouer à 3 derrière, peut-être que je suis pas dans les demandes de Gasset d'avant-match, mais le fait de jouer aussi bas et d'être un peu plus d'être un peu moins protagoniste, peut-être que c'est aussi une consigne de Jean-Luc Gasset, ça ne m'étonnerait pas par rapport. Et ça, le fait de distiller ça, peut-être que c'est une erreur. Et aussi moi, ce qui m'a gêné tout à l'heure, je l'ai dit, si tu ne fais pas jouer Aubameyang, ça me dérange pas. Mais pour moi, si tu veux, tu peux pas aborder ce genre de match sans avoir de joueurs de rupture si tu veux jouer bas. Il a fait le choix de jouer bas. Il n'a pas eu de joueur de rupture, de joueur qui veut peser sur la défense. Tu as parlé tout à l'heure de profondeur, de faire reculer la défense de Villarreal. Si tu ne joues pas avec Aubameyang, tu as un attaquant qui n'a pas été mauvais jusque-là, que tu as reculé. Ça, il peut prendre la profondeur. Pour moi, je trouve que ça va vite. Il est moins doué qu'Aubameyang. Ça va vite, mais je trouve qu'il la demande beaucoup dans les pieds. C'est un joueur de jouer dans les pieds. Je pense que tu dois jouer avec Moubagna ce soir si tu joues pas avec Aubameyang pour laisser planer un doute sur la profondeur et la défense. Et je vais laisser. Après là où il se dit qu'en gros la compo elle est valide, elle est justifiée, c'est les états forme et de Sarr et de Illiman Ndiaye. C'est-à-dire que nous, on était raccord pour dire que Illiman Ndiaye et Sarr étaient vraiment sur un bon niveau en ce moment et que donc lui, il a voulu capitaliser sur cette dynamique positive des deux joueurs et donc il leur a donné ce rôle de titulaire. Mais maintenant, le problème, c'est que être joueur à l'Olympique de Marseille, c'est un examen permanent. Et ce soir, dans une configuration extérieure, encore une fois, et j'insiste encore une fois, face à une équipe qui a perdu 2 matchs depuis le début d'année 2024, si je ne dis pas de bêtises, contre Las Palmas début janvier et donc contre l'Olympique de Marseille qui joue son va-tout, qui retrouve ses hommes forts, et bien l'Olympique de Marseille, notamment pour gérer un résultat, est passé à côté. Ça ne doit pas tout remettre en cause. Parce que s'il faut brûler l'Olympique de Marseille et en gros pratiquer la politique de la terre brûlée, je dis d'accord. Et moi je dis encore une fois, la Coupe d'Europe, c'est la Coupe d'Europe. On l'a encore vu hier avec l'Inter, qui, je continue de penser, est une grande équipe, est une équipe qui aura impacté le football saison 2023-2024. C'est pas parce qu'ils sont sortis qu'ils sont invalides. De la même manière que l'Olympique de Marseille a fait un mauvais résultat, c'est pas pour autant que sur le tour suivant, je vais dire, ouais, l'Olympique de Marseille n'est plus légitime pour aller loin en Coupe d'Europe. Je pense qu'il faut faire le distinguo. Est-ce un match ridicule de la part de l'OM ? Vous répondez oui à 74%. On va toujours rester sur le match, mais sur la deuxième mi-temps aussi, sur ce qu'il a pu mettre en place Jean-Louis Gasset. Est-ce que vous avez des choses à dire ? Évidemment qu'Aubameyang change un petit peu la tronche du match, il y a le raté, mais est-ce que ça peut aussi impacter la suite pour l'Olympique de Marseille ? Est-ce que ça vous niveau confiance sur ses capacités ? On a toujours dit que de toute façon, on pouvait faire un premier bilan de Gasset après ses victoires, évidemment.
qu'il y en aurait un deuxième qui arriverait très vite après le. Bah, s'il fallait la première défaite, il valait mieux que ce soit sur ce match. Rennes, PSG plus deux quarts de finale, ouais. Tidiani. Mais ça peut être un match qui va révéler tes limites, mais ça peut être aussi un match qui va te permettre de capitaliser parce que, et c'est ce qu'on dit depuis déjà quelques rencontres, on attendait de voir cet OM dans un contexte chaud, un terrain hostile avec une équipe qui va lui rentrer dedans. Il y avait eu le match à l'extérieur contre Clermont, bon, qui s'était très bien passé, mais on va quand même relativiser la menace que peut représenter Clermont. Et là, face à une équipe de calibre européen, dans un stade pas facile et avec un scénario de match qui t'a mis dans tes retranchements, et bah finalement, on a vu que l'OM pouvait souffrir et pouvait éprouver d'énormes difficultés, ce qu'on n'avait pas encore vu depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset sur le banc. Donc, pour moi, il y a deux routes. C'est soit tu te sers de ce match-là et bah, une fois que tu vas te retrouver dans ces situations-là, dans des terrains difficiles en Ligue 1, tu vas apprendre de ça et tu vas être capable de te dire « Ok, contre Villarreal, on a frisé la correctionnelle, donc là, on va essayer de ne pas reproduire et d'aborder différemment la rencontre ou même de s'adapter différemment pendant la rencontre. » Mais tu peux aussi voir ça comme une limite définitive et te dire que cet OM peut être fort à domicile comme il l'est depuis le début de la saison, mais que dès lors qu'il va se retrouver à l'extérieur, eh ben, il sera beaucoup plus en difficulté. Aujourd'hui, difficile d'avoir quand même un enseignement définitif à ce niveau-là, mais les prochaines rencontres de Ligue 1 vont nous donner quand même une vraie tendance à ce niveau-là. Jean-Louis Gasset, pour moi, il a réussi la première partie de sa mission. Jean-Louis Gasset, la première partie de sa mission, c'était rendre la fin de saison de l'Olympique de Marseille excitante. Et là, pour le coup, on a quoi ? L'Olympique de Marseille qui se replace dans la course à la Ligue des Champions et l'Olympique de Marseille qui fait quart de finale au minimum de Ligue Europa. Ça, c'est la première partie de mission. La deuxième partie de mission va arriver après la trêve internationale, à savoir aller chercher cette place en Ligue des Champions et avoir un dernier carré en Ligue Europa. Et maintenant, parce que j'ai vu passer sur le chat, attention, on ne va pas oublier ce match. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que ce match, et je vais même te dire, parce que maintenant, a posteriori, c'est facile, c'est la meilleure nouvelle qui pouvait arriver pour l'Olympique de Marseille. À savoir que ça... De quoi ? De se faire caca dessus ? Oui ! Oui, parce que ça fait partie de ton bilan. Ça fait partie de ton bilan. À savoir qu'aujourd'hui, les gars, on sait très bien que pour peu... Mais si l'OM gagne 3-0, ça, non, c'est peut-être mieux. Non, ouais. Mais là, encore une fois, on fait de l'uchronie. Mais pour peu que l'Olympique de Marseille... Moi, j'ai jamais entendu dire de la part, dans la bouche d'un entraîneur, une défaite fait du bien. Je ne te dis pas ça. Ça peut arriver fois, tu sais, quand tu sens un peu... Thomas, dans des situations d'euphorie, Une défaite dans le sport de haut niveau ne fait jamais du bien. Non, je n'ai pas dit que la défaite, elle te fait du bien. Je te dis juste que la défaite est une sanction. Mais qu'à côté de ça, du côté de l'Olympique de Marseille, maintenant, on a un élément concret, à savoir que pour peu qu'on baisse la garde, tout de suite, on peut le payer cher. T'as pas de marge. Parce qu'avant, tu étais dans l'euphorie, on gagnait tous nos matchs avec Jean-Louis Gasset, c'était limite, on arrivait sur le terrain, on en mettait 3-4 avec Aubameyang. Là, à partir du moment où même avec Aubameyang, qui est présent sur le terrain, tu baisses un peu la garde, tu es un peu moins concentré et tu es dans une approche soumission mentale... Finalement, tu es renvoyé à tes insuffisances. Exactement, c'est là où je voulais en venir. Et ça, ça peut te servir pour le prochain tour... Ou en gros, quand bien même tu gagnes au match aller au Vélodrome, tu sais très bien que les gars, il y a un match retour. Mais même pour la Ligue 1, et même pour la Ligue 1. Parce que l'OM en ce moment marche bien en Ligue 1, mais avec un calendrier qui a été quand même favorable, où tu as joué Clermont, Nantes. Et c'était qui avant ? Montpellier. Des équipes que l'OM, je pense, avait mis comme des victoires, enfin c'était des matchs victoires sur la feuille de route. Avec Gattuso, avec Gattuso, tu fais nul contre Metz. Dans l'idée d'un renouveau, on est d'accord, Thomas, si tu as une feuille de route avec les 10 derniers matchs de la saison, et au moment où Gasset il arrive et il met sa signature sur le contrat, il se dit bon, ces matchs-là, si on veut espérer quelque chose de la fin de saison, il faut les gagner. Oui. Tandis que là, quand tu vas jouer Rennes, quand tu vas jouer Paris, après, ils vont gagner en mettant 16 buts. Je suis d'accord. On peut avoir cette grille de lecture aussi. Je pense aussi qu'il faut faire attention sur ce genre de match où, sur le premier déplacement difficile où tu es attendu, tu montres des lacunes, comme l'a dit Tidiani, tu es renvoyé à certaines limitations. S'il faut perdre un match, le premier match pour Gasset, autant que ce soit ce soir, étant donné que tu as une avance. Mais il faut faire attention à ce que ce match-là ne change pas un petit peu une dynamique qui était euphorique jusque-là. Parce que l'euphorie, elle n'est pas que négative. L'euphorie, elle permet de surfer dessus. C'est le travail de l'entrée. Dimanche 17h face à Rennes. On va attendre avec un autre déplacement. Mais par rapport à la dynamique qu'on avait avant, je trouve que c'est potentiellement beaucoup plus des limites
sur l'état d'esprit et l'approche que sur l'aspect purement de jeu. Ok. Mmh. Et ben on verra dimanche à 17h face au Stade Rennais. Est-ce un match ridicule de la part de l'OM? Vous êtes Thomas, 71%. Ah bah non. Ah non, t'es pas convaincu. Pas, mais après, toi, t'es à chaud, toi. Non, non, mais c'est pour... avant, j'aurais peut-être dit ça, mais on a quand même parlé avec des gens du foot, ouais. Que ce soit joueurs, entraîneurs, dirigeants, etc., à travers nos rencontres, etc., je n'ai jamais entendu un mec dire une défaite, ça peut faire du bien. Non, ça n'existe pas. On n'a pas dit ça. Non, mais il y a en piqûre de rappel ou en machin. Non, ça. Si. Mais non. Si. Non, mais non, vous avez quand même dit ça. Tu l'as dit, ça peut quand même. C'est la meilleure nouvelle, il a dit. Ouais. Ça peut être la meilleure nouvelle pour ce groupe. Et je continue de le dire. Je continuerai à dire que c'est des conneries. Ça. Non, mais je continue. Ouais, mais t'as le droit de le penser. Ce qui est bien, c'est qu'on aura un révélateur du dimanche avec un autre déplacement difficile. Justement, moi, j'attends ce match du dimanche pour voir quelle va être l'attitude de l'Olympique de Marseille dès la première minute contre Rennes, pour savoir si. En gros, ce qui s'est passé contre Villarreal, je vais le ranger soit thèse de l'accident de parcours, ou soit ça va être la continuité de ce que j'ai vu, pas seulement contre Villarreal, mais aussi contre Nantes. Je te donne un scoop, hein. Ils passeront pas 89 minutes dans leurs 30 mètres comme ils ont fait ce soir. C'est même ça. Si Rennes... Le... J'ai un scoop pour vous. Mais non. Pour moi, en fait, c'est là où vous faites erreur. Mais non, mais c'est que peut-être que là, tu vas peut-être prendre un but contre Rennes au bout de 10 minutes, et tu vas peut-être te rechier dessus. En fait, on n'a jamais eu... Montpellier, t'as été mené rapidement, sauf qu'il n'y a pas eu de grosse défaite Si tu te prends un but, tu dois juste aller attaquer et marquer. On va juste attendre. Mais moi, le concept de victoire qui peut tac, moi je. En fait, c'est même pas que moi qui parle, c'est les gens du. Mais après, ça fait partie de la vie d'un groupe. Comment tu gères une défaite ne fait jamais plaisir. Et Gassé l'avait dit aussi en conf. Sur la conf avant Villarreal, sur etc. Il avait encore des doutes sur la faculté et le visage de son équipe après la première défaite. Il l'a dit. Bon bah. Suivant ton raisonnement, on fait quoi quand on est l'Olympique de Marseille? On baisse la tête maintenant parce qu'on a perdu un match contre Villarreal? Non, mais je pense que sur là, si on se détache de Gasset sur les joueurs, avoir maintenant leur réponse maintenant. Ils ont eu des très bonnes réponses menées face à Montpellier et but de Brighton remontada en cours. Et qui? Ouais. C'était qui Montpellier, Nantes, Clermont. Non, mais ils ont été menés deux fois. Shakhtar. Et t'as bien réagi. Et sur le match le plus important de ta saison. Maintenant, il y a eu ça. On verra après. Et ben voilà, parce que moi, je peux te dire aussi, toujours aller dans le sens du scoop par rapport à ce qu'a dit Tidiane, il y a les joueurs, je ne vais pas te faire un dessin. Ouais, on a perdu, mais on est qualifié. Eux, ils te diront ça. Merci, au revoir. Dans les autres matchs du soir, Liverpool mène 4-0 face au Sparta. Donc, Liverpool est pas loin de se qualifier. Surtout qu'ils avaient gagné que 5-1 au match aller. Brighton mène 1-0. Leverkusen, toujours 0-0 face à Karabakh, 38e minute de jeu. Le Sporting mène 1-0 sur la pelouse de l'Atalanta. C'est du coup le Sporting qui est qualifié pour le moment. Ouais. Ah, il y avait un partout. Le Sporting qui n'est pas leader de. Si. Qui est leader. Je crois que c'était Benfica, mais oui. Non, avec un match de retard. Mais et Brighton mène 1-0, vous l'avez dit, sur la pelouse, face à la Roma. Pourquoi ces scores? Parce qu'on va faire le troisième débat. On va s'échapper un petit peu du contexte diarrhée du de soir. La Ceramica. Pour se projeter la Ceramica qui n'était pas pleine. Ouais. Vous avez vu, la presse espagnole a relevé que les supporters espagnols ne se sont pas déplacés parce qu'ils avaient peur des supporters marseillais. Il y a des super belles images qui tournent là en ce moment du public de Villarreal. Ça se voit, ils ont vraiment très peur. Faire le singe et faire les signes nazis, c'est vraiment un symbole de peur. Vous n'avez pas vu les images? Non, devant le parquage, c'est catastrophique. C'est une catastrophe. Les images sont catastrophiques. J'ai pas vu. Je vais pas faire explicite. Je vais pas faire les signes. Hein, pas plus explicite. Tu peux pas mieux mimer le truc que ça. Ouais. Donc pour le moment, on a qualifié. Beau public. L'Olympique de Marseille, Liverpool, le Sporting, West Ham, l'AS Roma, West Ham, Bayern en. Bayern ou Karabakh. Balotage très favorable. Non, pas très favorable. Il y a match nul partout. Il y a 0-0. Non, mais à l'aller. 2-2. Ok. Benfica s'est qualifié, l'AC Milan s'est qualifié, et West Ham s'est qualifié. La question que je vous pose, et que je vais vous poser sur le chat également, est-ce que pour vous, l'OM, on va attendre les cotes, on les aura demain parce qu'il y a des matchs en cours. La question que je vous pose, tour de table, est-ce que l'OM est le petit poussé de la Ligue Europa? Non, pas le petit poussé. Non, pas le petit poussé. Alors non. On n'a pas tous les qualifiés. On va partir du principe que, on va dire, alors Leverkusen est qualifié. Pour moi, tu as un chapeau de trois équipes qui sont au-dessus des autres. Dans l'ordre de qualité pour moi, Liverpool, Bayer Leverkusen, Milan AC, tu as les trois gros.
Et ensuite, pour moi, tu as quelque chose d'assez homogène, de bonnes équipes européennes qui sont capables, sur un aller-retour, s'il y a retour à domicile, de passer n'importe quelle équipe et de faire un exploit. Puisque si on parle de Liverpool, il faudra vraiment parler d'exploit, de faire un exploit contre une autre équipe. Donc tu as les équipes que tu as citées, je veux dire Marseille-Benfica, je ne vois pas pourquoi Marseille devrait baisser les yeux contre un Benfica qui cette saison est en difficulté avec un entraîneur Schmidt qui est très très contesté. Benfica qui va gagner aux Rangers. Qui va gagner aux Rangers. Tu les as vu jouer les Rangers européen, oui, d'accord. Peut-être un peu plus Thomas, impactant. Thomas, s'il y a un Marseille-Benfica, Benfica n'est pas au-dessus de Marseille. Mais Marseille n'était pas au-dessus de Benfica. Non, c'est un match, c'est du 50-50. C'est peut-être le duel qui serait le plus équilibré. T'avais qui d'autre comme équipe ? T'as l'AS Roma aussi. L'AS Roma, ce serait équilibré aussi. La Roma, ce serait équilibré aussi. La Roma, c'est le même scénario. De qualification. Je te parle en termes de football sur une double confrontation européenne. La Roma, c'est le même scénario que Marseille. Hein. C'était une saison difficile, ils ont dû virer leur entraîneur. Le nouvel entraîneur est arrivé, il y a un regain de forme, ils sont très très bons. Puis le nouvel entraîneur, il gagne la plupart de leurs matchs. Ils ont gagné 4-0 leur match aller de Coupe d'Europe comme Marseille. Ils sont en train de perdre 1-0 à la mi-temps comme Marseille lors du match retour à Brighton. C'est une dynamique similaire. Alors après, si on voit les deux 11 et qu'on me dit que la Roma est peut-être supérieure intrinsèquement, pourquoi pas ? Oui, je peux l'entendre sans problème. Mais sur une double confrontation, je pense que ce serait équilibré. Donc pour moi, tu es sur une nasse d'équipe où ça peut se jouer, Benfica, Marseille, Roma. Après, là où on peut être unanime, c'est que l'OM partira favori contre aucune équipe. Oui, sauf si Carabao se qualifie. Le seul truc où l'OM sera favori à la qualif, c'est Benfica et West Ham pour retour au Vélodrome. Oui, voilà. L'OM voilà. sera favori pour la qualif. Voilà, ça c'est un cas. Là. Ou West Ham. West Ham, retour au Vélodrome, ouais, ils peuvent être favoris. West Ham qui est une difficile en première ligue. Je te parle uniquement. Avec retour au Vélodrome, je pense en effet que Benfica et West Ham, c'est du 51-49 Marseille. Et le Sporting aussi. Ah oui, il y a le Sporting aussi, s'il y a retour au Vélodrome. En sachant que le Sporting, il y a un historique la saison dernière où l'OM les a battus. Après, les gars, il faut parler du projet Olympien, parce que moi, j'ai du mal à parler d'un petit pousset quand, à la base, Olympique de Marseille est en Ligue des Champions. J'ai du mal à parler de petit pousset quand l'Olympique de Marseille sorti de la poule de la mort. C'est sorti de la poule de la mort et perd la première place à la 85e minute à Brighton. Oui, c'était logique. Et j'ai du mal à parler de petit poussé quand l'Olympique de Marseille n'a jamais rien que sorti une équipe qui, il y a 3 ans, avait remporté la Ligue Europa, a fait demi-finale de Ligue des Champions. Donc tout ça, c'est à l'actif de l'Olympique de Marseille. Oui, donc de là à penser que... Il y a quand même des grosses équipes. Oui, il y a des grosses équipes, mais à côté de ça, l'Olympique de Marseille, on leur promettait l'enfer sur la phase de poule. Ils se sont qualifiés avec autorité dès la 5e journée. Oui. Face à Villarreal, c'était du 50-50. Shakhtar. Non, mais là où il y a eu Shakhtar qui était en reverse Ligue des Champions, Shakhtar qui battait le Barça. Force est de constater que le parcours olympien était l'un des plus corsés et que l'Olympique de Marseille, jusqu'à preuve du contraire, est vivant, est bien vivant. Là où Elton a raison, parce que c'est vrai que le plateau, il est relevé. Tu as certaines équipes qui sont, pour moi, de niveau Ligue des Champions, alors pas dernier carré forcément. Mais t'en as une qui est au niveau dernier carré. Que ce soit en termes de prestige ou même en termes d'armes par rapport à ce qu'aujourd'hui la Ligue Europa, il y a quand même de très très belles équipes. Par contre, c'est vrai que il faut pas forcément basculer dans le complexe d'infériorité. Ouais, t'es l'Olympique. Je pense que l'une des clés du déclic en termes de performance chez les clubs français, c'est aussi de pas avoir de complexe d'infériorité, de pas toujours ramener ce qui serait une perf à une notion d'exploit. C'est-à-dire que si l'OM bat West Ham, c'est une perf, c'est pas un exploit. Si l'OM bat le vainqueur de Sporting Atalanta, c'est une perf, c'est pas un exploit. Si l'OM bat Benfica, c'est une perf, c'est pas un exploit. Et finalement, c'est un exploit sur quoi ? Sur un tiers du plateau. Il n'y a que Liverpool. Les gars. Thomas, quand on dit jusqu'à, ça. Jusqu'à preuve du contraire, le meilleur buteur de la compétition, c'est toi qui l'as. C'est pas les autres. C'est pas en fermant les yeux sur ce qu'est la réalité de la saison de l'OM, ni la dynamique. Mais Elton, tu nous parles d'une équipe qui est en convalescence depuis le début de l'émission. Oui. T'es pas surpris qu'il se fasse tourner par Villarreal ce soir. Pour autant, c'est une équipe qui quasiment est capable de taper tout le monde. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est la Coupe d'Europe, tu peux taper tout le monde. S'il y a bien une compétition qui, justement, te permet de maquiller tes imperfections du quotidien, c'est bien la Coupe d'Europe. Francfort a battu Barça. Non mais Thomas, il n'y a qu'à voir le vainqueur de la Coupe d'Europe de la Ligue Europa l'année dernière. Ça s'appelait Séville qui, jusqu'à la 38e journée, jouait le maintien en Liga. Et tu peux parler de Francfort quand il gagne la Coupe d'Europe. On peut parler de Francfort. Moi, je le souhaite à l'OM. On peut parler de Francfort qui était 11e de Bundesliga. Ils sont arrivés au Camp Nou, le Barça qui pétait la forme. Ils en ont pris 3. Donc Séville l'année dernière, on les donnait pour mort. Lyon qui bat Porto, on est en 8e et 9e de Liga sous Boss. S'il y a bien une compétition, où de manière ponctuelle tu peux maquiller tes imperfections, c'est la Ligue Europa. Et puis, désolé de ramener ça encore une fois sur la table,
Mais après, tu as aussi une question de moyens. Elton a effleuré l'idée en rappelant que l'OM était quand même de base calibré pour jouer une phase de poule de Ligue des Champions avec ambition de ne pas y faire de la figuration. De sortir, c'est quand même de toujours un rappel important lorsqu'on parle de l'OM et de la Ligue des Champions. Donc aujourd'hui, avec ce que tu as en termes de masse salariale et une dynamique qui est redevenue positive en dépit de ce soir, tu trébuches, mais tu ne te casses pas totalement la gueule non plus. Bah, je suis désolé, j'ai cité juste avant deux, trois équipes que l'OM peut regarder dans les yeux. Attention, le Sparta a marqué. Ça ne veut pas dire que tu dois avoir un complexe de supériorité, ça ne veut pas non plus dire que tu dois avoir un complexe d'infériorité. Et moi, je suis désolé, à un moment, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on attend de l'OM, quoi, qu'il fasse de la figuration ? C'est pas non plus une équipe de décasse européenne là, qui se présente. On disait quoi après le Panathinaikos ? Après ce qui s'était passé au Vélodrome ? Je fais, hey, les gars, il va falloir vous rattraper sur la Ligue Europa. Maintenant, tu y es. C'est-à-dire que quand il faut se rattraper sur la Ligue Europa, moi je te parle de dernier Allez. Carré maintenant. Aujourd'hui, tu es à deux matchs de faire un dernier carré de Ligue Europa, ce qui, pour l'Olympique de Marseille, serait quand même bien par rapport à tout ce que tu as connu cette saison. Oui. L'OM est-il le petit poussé de la Ligue Europa ? Vous répondez non, les copains, à 56%. Continuez de nous mettre des likes, les amis. On est à combien ? On est à 236 pouces, c'est cool. L'objectif est d'arriver à 300, 400. Je vous laisse le compteur, les amis. Tous ceux qui sont en direct avec nous, déjà je salue ceux qui nous ont rejoints en cours de route. On rappelle la défaite de Villarreal, mais la qualif de l'Olympique de Marseille. Non, la défaite de Marseille. Tu dis quoi ? La défaite de Villarreal. Oui, la défaite de Villarreal. Confrontation. L'élimination de Villarreal. La défaite de l'OM, mais la qualif de l'OM. Ça fait 5-3 au cumulé. Les petits pouces bleus pour le WFC, supporter olympien évidemment. N'hésitez surtout pas, c'est comme ça que ça marche sur YouTube. Au plus il y a de likes et de commentaires, au mieux l'émission est boostée et référencée sur la plateforme, donc ça c'est uniquement grâce à vous et on vous en remercie. On met quelques notes ? Ouais. Oui. On fait ça ? Allez, c'est parti. Dame LCN sur YouTube, c'est quand le tirage des quarts de l'Europa ? Quelqu'un sait, ça m'intéresse. C'est demain à 13h, dans la foulée du tirage de la Ligue des Champions. Alors malheureusement, on ne pourra pas couvrir le tirage de la Ligue Europa parce qu'on ne pourra pas le débriefer. Exactement. Mais on va quand même signaler. On va signaler l'adversaire. Oui, bien sûr. Mais On en parlera surtout samedi. On va pas palabrer sur le PSG-Barça ou le PSG-Real, ouais, alors que le verdict de l'OM sera donné dans le même temps. Ouais. On fera une petite interlude. Bah non. Non ? Mais s'il y a PSG Real ou PSG Barça, tu parles de PSG Real. On aura le temps d'en parler, c'est pas direct. Tu vas me dire que là, tu es en train de te projeter et tu vas connaître l'adversaire de l'OM et on va même pas mentionner le plateau. Si, bah, mais il y aura le temps. Tu vas donner la nouvelle, mais on en parlera samedi. Ah oui, on en parlera samedi. Ah oui. Mais on l'évoquera, oui, on va pas le débriefer. Quoi. Oui, on va pas le débriefer, moi. Allez, Tid. Ouais. Décidé de chiant. Ouais, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on sort un top du côté de l'OM ce soir ? Du côté de l'OM, forcément ? D'abord, ah oui, d'abord. Alors, faisons l'homme du match. Allez, bah, Capou. Hein. Alors, l'homme du match, je ne sais pas, mais le dénommé Sorloth fait quand même une drôle de saison et un drôle là, de match, je trouve. Alors, moi, c'est un attaquant que je trouvais assez maladroit, voire même un peu gauche. Et je trouve que ce soir, vraiment, ça a été une vraie menace. Il fait une bonne saison aussi en Liga. Il a mis combien ? 12-13 buts, je crois. Ah, c'est ça. Je peux te dire, du côté de la Real Sociedad, par rapport à ce qu'ils ont cette année, ils se les bouffent. Hein. Bah oui, parce que lui, il n'était pas forcément même ce niveau-là quand il était, il était là-bas. Il contribue à la qualification LDC. Et ce soir, j'ai trouvé que c'était lui qui incarnait vraiment la menace. Donc, en plus, il est buteur. Voilà. Donc, moi, il m'a épaté, Sorloth. Combien ? 7, 8 ? Ah, franchement, il mérite un bon 7, je trouve. Ouais, à droite. Côté Marseille, un top, je pense que le meilleur joueur sur le match, c'est Paul Lopez. Ah bah oui. Paul Lopez. Paul Lopez. Je sais qu'il y a eu des critiques sur lui, et notamment sur ce match que je n'ai pas compris, parce que pour moi, sur les buts, il ne peut rien. Sur l'autre, d'ailleurs, sa frappe sur les buts est très très belle. Mais il fait 10 arrêts ce soir. Il y a 13 tirs cadrés. 10 arrêts. 13 tirs cadrés pour Villarreal. Et des arrêts qui sont parfois pas faciles du tout. Je veux dire, normalement, elle n'est pas évidente. T'es sûr pour les 10 arrêts ? Bah, il y a 13 tirs cadrés, il y a eu 3 buts. Je pense que le calcul. Mais après, ça peut être des tirs bloqués. Il n'y a pas eu de. Non, ça peut être des tirs sauvés sur la ligne ou pas, mais de souvenir, je n'ai pas. Okay. Après, je peux vérifier. Hein, je vérifie. Moi, j'ai 5. Continue ton argument. Moi, j'ai 5 arrêts. Mais des beaux arrêts. Il y a un arrêt, notamment à 2-0, où le 3-0 peut venir beaucoup plus tôt, sur un arrêt réflexe, sur un corner qui est monstrueux sur la tête. Mmh. Après le 3-0. Sur la tête de Moreno. Ouais, après le 3-0, il y a un autre arrêt sur corner aussi qui est très très fort sur sa ligne. Il a été très très bon. Et je pense que. Mettez la note à Paul. L'OM qui a raté totalement son match. Si l'OM n'est pas sanctionné, c'est parce que Lopez a su sortir
sortir beaucoup d'arrêts et même un peu plus tôt. Pour et rassurant dans les airs sur la fin de match aussi. Rassurant dans les airs sur la fin de match, et c'est pas nécessairement son fort. Il y a des points où il est justement, généralement, il y a des aspects où il n'est pas du tout rassurant. Là, il a été bon dans ce qu'il fallait, c'est-à-dire que quand l'équipe de Marseille subit dans son camp, dans sa surface, et qu'il faut faire des arrêts sur sa ligne, il est capable de sortir de gros arrêts. Et pour moi, il a permis à l'OM de repousser les chances, de survivre. Et donc, j'ai même envie de te dire, limite, c'est le seul joueur de l'Olympique de Marseille que j'ai envie de ressortir sur la performance en tant que top en tout cas. J'ai du mal après sur les joueurs de champ à voir, peut-être qu'Ondogbia était moins, mauvais. Le timing des arrêts est très important. Ouais, c'est ça. Donc il a salué. Il y a eu un des 1 et des 2 qui ont été mis avant sur d'autres commentaires. Il pollue un peu. Non, mais ce soir, c'est minimum 8. 7, hein, Paulo Lopez. Ah oui. Il y a beaucoup de Nobunami, il y a Mans Sensei. Homme du match en ayant pris 3 buts. Qui met 8, les Olympiens TV qui mettent 9. On est plus sûr. Comment on est d'accord, c'est sa plus grande soirée européenne? Bah oui. Alors qu'il prend 3 buts dans la musée. Paradoxal. Ouais, mais il a dû être le pompier. C'est un gardien pompier. Oui, je pense, oui. J'ai pas le souvenir d'un Paulo Lopez aussi bien Conference League, Ligue Europa bien évidemment. Conference League, il était pas là. Ouais, c'était pas lui. Ouais, voilà. C'était pas lui. Non, voilà, Ligue Europa, c'est Ligue Europa, j'ai pas de souvenir marquant. Même la Ligue des Champions, tu sors au premier tour. Là, on est sur un match important pour les objectifs olympiens, il est décisif. Ok. Allez, on est sur plutôt un 8 pour Paulo Lopez. C'était Yanis qui avait soufflé le gardien, Elton. Oui, c'était moi. Ouais. Un joueur, l'OM. On va aller sur Jude Capou. De l'OM. Ouais. De l'OM. Ah, de l'OM. En top. Mais il n'y a pas de top. Il n'y a pas d'autre top. Il n'y a pas de top, moi, du côté de... Tu sais, quand je parle à la Titanic, je vous dis, on fait l'OM, parce que c'est mieux de faire l'OM. Okay. C'est pour ça que j'ai dit Pau, parce que je voulais dire Capou aussi. Je t'avoue, je voulais dire Capou. C'est qu'on aussi. Va... Est-ce que... Alors, parlons d'Aubameyang. Aubameyang. Aubameyang. Fortune diverse pour Aubameyang. Ouais. Alors, c'est vrai que lui, il se sauve un peu, donc moi, je lui mets la moyenne. Je lui mettrai la note de 6, parce que, évidemment, il y a l'action... Il doit tuer le match. Il y a le face-à-face raté qui, pour moi... C'est lui qui serait l'action aussi. C'est lui on qui peut se voir le vert. On peut voir le vert. Ouais, mais encore une fois. Ouais. La phase de jeu, quoi. Ouais. Ouais. Parce que bon, un grand pétard envoyé devant avec une balle qui rebondit. Et ouais. C'est ça un peu l'action. En fait, il dévie le ballon pour Unai qui lui remet. Il s'arrache et puis il fait. Oui, non, mais lui, il fait la. Lui, il fait envoie une action. Un rite, il fait l'appel. Qui non, mais en fait, c'est l'architecte de l'action. Ouais, voilà. C'est pas. Sans lui, l'action. Si c'est Unai à sa place, non, mais c'est pas une action quick. Peut-être que si c'est Faris, elle existe vu qu'il est puissant. Non, mais fortune diverse parce que en gros, en ne mettant pas ce face à face, il contribue au fait que Villarreal reste dans la course. Alors que le but aurait entériné la qualification de l'Olympique de Marseille. Mais en même temps, il te fait une action extraordinaire, une action qui est à mettre notamment très haut dans sa saison. En fait, cette action, elle permet à Thomas de gagner une minute d'espérance de vie, parce qu'il restait une minute derrière. Et je pense que cette minute, il y avait encore un dernier ballon qui allait arriver dans la surface. Donc par et rapport là... à ça, Aubameyang, je lui mettrais 6, parce que c'est vrai que son match. Sur le but, par contre, c'est... Bah, c'est extraordinaire. Ouais, c'est, on l'a toujours dit et on va le dire. Mais encore, la progression technique de ce joueur. Parce qu'à la base, il faut se souvenir que c'est un joueur techniquement. Je sais pas si tu te souviens, Elton. Techniquement, c'est un joueur qui a des lacunes à Saint-Etienne, à Dortmund. C'est un joueur qui. À l'époque, même dans la finition, il n'est pas. Il est loin d'être perfectible. Pour moi, ça me surprend parce que c'est le domaine où c'est plus dur de progresser. Et on le dit, on le redira, c'est un attaquant de classe mondiale. Et c'est le meilleur buteur de l'Europa League. Et quand tu peux capitaliser là-dessus, et ben c'est très important d'avoir un joueur qui, dans ces moments-là, est capable d'avoir un impact. C'est pas neutre d'avoir un joueur qui, dans les moments compliqués, à Amsterdam, est décisif. Alors que c'était le match avec Abardonado, c'est pas anodin de voir que sur un match où t'es particulièrement attendu, sur le match de la saison, on l'expliquait face au Shakhtar, il est décisif. Et là, sur un match où en gros, le bateau est en train de tanguer, et là tu te dis, Villarreal, et t'as un but de t'emmener en prolongation, et on sait pas ce qui se serait passé, et ben encore une fois, c'est Aubameyang qui apparaît. Aubameyang a une capacité d'apparaître dans les moments très compliqués pour l'Olympique de Marseille. Et encore une fois, quand l'Olympique de Marseille, il faudra dessiner, il faudra regarder cette saison-là, et bah, tu te diras, Aubameyang, il t'a quand même sauvé énormément de fois. Donc, gratitude pour Aubameyang par rapport à sa saison, qui, en ce qui concerne l'Europe, on a le meilleur buteur de l'histoire de l'Europa League à l'Olympique de Marseille. C'est sa compète. Bah oui, c'est sa compétition. Et, on lui et met ça, c'est. Aujourd'hui, pour l'Olympique de Marseille, c'est un luxe. C'est un luxe et il faut vraiment le valoriser. Oui, il y a un luxe qui te coûte cher, qui pèse dans la masse salariale. Il a été recruté pour ça. Non, mais il faut le dire, parce que ça a fait des débats négatifs sur la première partie de saison quand il n'avait pas cette carburation-là. Aujourd'hui, moi, j'entends beaucoup moins l'argument du salaire d'Aubameyang dans les parce débats. Parce que Thomas, il a la liste des joueurs olympiens à qui on a donné des grands salaires au moment d'assumer le rendez-vous. Non, mais tu vois, c'est toujours ça. C'est pas celui qui perf le moins, quoi. Ben voilà, c'est ça. C'est sûr. Flop. Ouais. Ah ouais, allez, c'est flop. Parti. Flop. Un flop.
Bah franchement, difficile de dissocier les deux attaquants de la première période parce qu'honnêtement, ils ne pèsent pas du tout. Quoi. Le duo. J'ai trouvé un peu mieux sur la fin de la mi-temps. Plus utile, ouais, on va dire plus utile. Oui, mais... Je les trouve orphelins, orphelins d'un vrai neuf. Oui, mais même, en fait, pour moi, ils sont à la fois coupables et victimes. Ils sont coupables parce que c'est quand même des joueurs qui peuvent apporter, grâce à leur qualité technique, ces petits moments de respiration, c'est garder un petit peu la balle, obtenir des fautes, faire en sorte que l'OM puisse remonter son bloc, même si ça va durer 20-30 secondes et qu'après, tu vas rendre le ballon à Villarreal, et bah au final, c'est ça, tu vois, pierre par pierre faire que tu vas pas non plus être acculé non-stop, et ça, je trouve qu'ils ne l'ont pas fait. Les mini-spots qu'il y a eu en première période, parce que ça existait sur 2-3 minutes où l'OM essayait un petit peu d'attaquer, je les ai pas forcément vus. Donc non, moi, je voilà. Et puis, à la fois, ils sont victimes, parce qu'ils sont victimes de l'approche globale de l'équipe. Ouais. C'est-à-dire qu'avec avec un renoncement quasi total de toute forme d'attaque et d'ambition dans le jeu, et bah, quand tu es attaquant dans cette équipe-là, c'est même plus des miettes que tu dois ramasser. C'est de la poussière. Yanis. Alors, je ne vais pas aller sur l'évidence Ounaï. Peut-être je vais te laisser toi après t'exprimer là-dessus. Mais, non, ce n'est pas mon rôle. Je vais aller sur Merlin. Parce que je l'ai trouvé dépassé, je ne l'ai pas trouvé bon du tout. Et surtout, sur les moments chauds, j'aurais pu prendre un autre, hein, mais sur les moments chauds, sur cette arrière-garde, le déchet technique pour ressortir le ballon et pour sortir de la pression générale a fait beaucoup, beaucoup de mal. Parce même que au la pied, balle, même pied sur les phases arrêtées. La balle était rendue constamment. Sur chaque balle rendue, c'était un danger ensuite assez immédiat. Défensivement, je l'ai trouvé en difficulté, énormément en difficulté, sur les dédoublements notamment de Kiko Femenia. Lui qui d'habitude brille par son pied et par sa qualité offensive, sur un système où en plus il y a trois défenseurs centraux et où il a une responsabilité offensive encore plus grande, il doit être encore plus haut, lui aussi a évidemment souffert d'un OM trop bas, mais il n'a pas posé du tout offensivement, il a perdu beaucoup trop de ballons, il a été en grande difficulté, donc je vais dire Merlin pour flop, même si c'était pas le pire des 11. Alors le pire c'est qui? Ah bah c'est Ounaï. Ounaï. Ah c'est Ounaï. C'est Ounaï qui, pour moi, est passé complètement à côté. Il fout notre gueule, lui. Non, mais si, lui, si non, tu... mais vraiment, non, mais toi, c'est vraiment moi, un joueur qui fout de la gueule du monde. Non, mais si tu veux, moi, avec Ounaï, j'ai un sentiment qui est très désagréable. C'est-à-dire que... Ah, moi aussi, ouais. Non, non, mais je vais t'expliquer pourquoi. Parce que j'ai eu l'opportunité d'être au Vélodrome pour l'Olympico. L'Olympique de Marseille gagne 3-0. Pas mérité. L'Olympique de Marseille gagne 3-0. Mais ce soir-là, au niveau du ranking, je ne mets pas Ounaï dans les meilleurs joueurs. De la même manière contre Villarreal, on l'a débriefé, je ne mets pas Ounaï dans les meilleurs joueurs. Mais par contre, quand arrivent les périodes où l'Olympique de Marseille va couler, eh ben je mets spontanément Ounaï parmi les pires joueurs. Et c'est ça le sentiment désagréable, à savoir que dans les moments où l'Olympique de Marseille pète la forme, c'est un joueur qui est beaucoup plus ordinaire. Mais dans les moments où l'Olympique de Marseille coule, c'est le premier justement à mettre le drapeau blanc. Et ça, c'est quand même très préoccupant pour un joueur qui a vocation à être important pour l'Olympique de Marseille. Parce que quand on parle de renouveau pour l'Olympique de Marseille, avec des joueurs qui sont en amélioration constante, qu'on évoque le mercato qui commence à porter ses fruits, vient Lucas Ounaï, et là tu vois un joueur, et je ne sais pas comment Gassé le prend, à savoir que c'est un joueur, et bah, j'aimerais bien qu'il soit l'un des protagonistes du côté de l'Olympique de Marseille, que ça soit un joueur qui soit davantage extraordinaire plutôt qu'ordinaire. C'est pas normal que quand l'Olympique il est de Marseille... Nul, hein. Non, mais quand l'Olympique de Marseille... Ordinaire, il est nul. Quand l'Olympique de Marseille aligne des grosses prestations, moi j'aimerais bien mettre Ounaï parmi les trois meilleurs joueurs de l'Olympique de Marseille. Et quand l'Olympique de Marseille est vraiment à la cave, j'ai pas envie de mettre Ounaï parmi les trois pires joueurs de l'Olympique de Marseille. Donc c'est pour ça que moi j'ai un sentiment désagréable, à savoir que dans le casting, quand le film marche bien, et bah lui, il arrive dans les seconds rôles. Mais par contre, quand le film il est bidon, et bah je mets spontanément. Petit joueur. Tout petit joueur. En fait, ouais. il fait partie de ces joueurs. Il y en a beaucoup où, en fait, on est toujours tenté de se laisser séduire par leur allure et par leur qualité technique, parce que je pense que c'est un joueur qui, à la base, a du toucher de balle. Et quand il est dans de bonnes dispositions, ce qui n'est pas arrivé très souvent à l'OM, tu sens quand même qu'il peut créer quelque chose. Mais moi, il y a un aspect de son jeu sur lequel je suis assez déçu. C'est monorhythme. Non, c'est le volume. Ah bah oui. Parce que même, rappelez-vous, avec le Maroc, la Coupe du Monde, ben alors oui. Avec un caractère événementiel, une équipe en état de grâce par rapport à l'événement, tout ce que vous voulez, ok, on a mis cette précision-là avant, mais quand même, je trouve que sur le volume qu'il a, la zone d'influence, bah, je trouve que c'est assez limité. Ah mais Ounaï, c'est au-delà de, tu vois, des fautes techniques qu'il peut avoir,
Tu vois, il pourrait compenser ça en étant, tu vois, en se démultipliant un peu, avec beaucoup de courses, avec beaucoup d'efforts. Et même à ce niveau-là, en tout cas visuellement, faudrait vérifier en chiffres. Mais visuellement, on n'a pas l'impression qu'il est au cœur du jeu. Non, mais sur Unai, on est sur le pire vice pour un milieu de terrain. Quand il touche le ballon, l'action repart à zéro. Alors qu'il devrait bonifier l'action. Et ça, c'est le pire pour un milieu de terrain. Le milieu de terrain, c'est un milieu relayeur qui doit amener l'attaquant vers de meilleures conditions. Or, quand Unai touche le ballon, l'action redémarre à zéro. Et ça, c'est pas normal. Un joueur, on n'en a pas parlé, qui aurait pu être dans les top CMIT. Alors, top, ça aurait été un peu grand, mais c'est un joueur qui a eu quelques sauvetages, je trouve, bien senti. Par rapport à son âge, par rapport à son expérience. Qui a rattrapé pas mal de situations. Quand il avait joué déjà à Brighton, je l'avais trouvé bon. C'est un joueur qui a des qualités athlétiques, qui a des qualités pour rattraper des situations en défense, qui peut être bon en 1 contre 1. En plus, il a pris un côté de Memba aussi, qui aussi a pu rattraper quelques situations. Donc, Meïté, top, c'est peut-être un peu gros. Parce qu'il y a eu quand même, pareil, il a fait partie des joueurs qui, avec ballon, n'ont pas apporté de la sérénité dans les moments chauds pour sortir. Il y a eu le challenge Guedes. Pour sortir, il y a eu le challenge Guedes. Et oui, son vis-à-vis, puisqu'on n'a pas parlé des tops de Villarreal, où Capoue est pour moi l'homme du match, mais Guedes a aussi fait un gros match et a aussi été très intéressant. Guedes qui se situe entre Meïté et Klos. Donc, bon défenseur, beau potentiel. Pas un top, mais je pense qu'en effet, dans la morosité de Marseille, c'est un des joueurs qui peut sortir de manière plus positive. Allez. Chacun votre tour. Vous voulez qui pour l'OM au prochain tour? Elton. Au prochain tour. Que ce soit dans une affiche un peu sexy ou alors une affiche abordable. Ton cœur qui parle. Qu'est-ce que tu as envie de voir? Alors moi, spontanément, je te dirais la Roma. Et bien moi aussi. Ouais. J'ai envie de voir. Moi aussi, parce que la Roma, il y a ce côté sexy. Ouais. Bala, Olympique. Ouais, il y a le caractère latin. Ouais. J'aime beaucoup sur une double coupe. Le côté faisable aussi un petit peu, même si pour moi la Roma sera favo. Ouais. J'aime beaucoup la Roma. Tu peux éliminer la Roma. Et le fait de potentiellement aller au stade Olympique. Non, mais J'ai fait un. Alors si tu veux, peut-être c'est le destin qui parle. J'ai fait un quart de finale retour à l'Olympico. C'est fort. De l'Olympique Lyonnais. Le caractère latin. Huitième quart de finale. Et globalement, quand tu regardes la compétition de l'Olympique. Dites-nous sur le chat aussi voir. Quand tu regardes la compétition de l'Olympique de Marseille, non seulement t'as fait de beaux adversaires par rapport à leur pedigree européen. Mais surtout de beaux stades. Ouais, toi, si tu veux, on a. Shakhtar, ouais, c'est ce que j'allais dire. Oui, hormis le Shakhtar. Ils ont joué dans un beau stade. Ouais, mais c'était le stade de la finale 2010. Mais si tu veux, tu as eu l'exemple en 2018. Bon, tu as Bilbao. C'est pas grand-chose, malheureusement. Tu as Bilbao, mais à côté de ça, tu as Leipzig, tu as Salzbourg. Ouais. C'est pas non plus les spots les plus sexy. Clem qui nous dit Benfica, Gothic qui nous met Liverpool, la Roma, bon choix, nous dit Fabio. Moi, je suis très chaud pour. La Roma, Tid. Vata qui fait le coup d'envoi fictif ou pas? Ce serait beau. Ce serait beau. Leverkusen pour le moment qui est toujours. Un petit Milan-Marseille, je prends. Oh. Ouais, évidemment. Ah ouais. Évidemment, non mais je suis d'accord. Plein d'histoires à raconter, ouais. Un adversaire. Ils sont déjà rejoués depuis 93. Hein. Ouais. Bah, 2010, oui, mais tu sais qu'on n'y échappera pas. Mmh. Et la panne d'électricité, ouais. Et il n'y a pas de corner sur l'action de Basile. Enfin bon, bref, pas le refaire. Mais... Waddle qui était sonné. Voilà. Non, moi j'aimerais un petit Marseille-Milan, aller-retour, retour au Vel. Très bien, moi ça m'irait. Avec du suspense quoi. Avec du suspense quand même pour le match retour. Ouais. Yanis ? Alors ils ne sont pas encore qualifiés, mais à Marseille, Bayer Leverkusen pour voir le Thomas Bonavent-Ico. My team. Où sa team risque finalement de plus trop être sa team et d'être très critiqué. Bah, évidemment. Face avec un match qu'il a vu lui-même déjà en pré-saison au Vélodrome. C'était bien immonde. C'était bien immonde. Il y avait combien? 2-0 2-1. Et devinez le buteur de l'OM. Ouais, on l'avait débriefé le match. Unai. Non. Tu t'en souviens, on l'a débriefé. Tu t'en souviens du buteur de l'OM? Non, je m'en souviens plus. Merci. Qui marque le but de l'OM? C'était un défenseur, non? Non. Mugueux. Mugueux. Dans le plus pur style muguesque. Hein. Ouais. Le petit tapine à 2 mètres. Ouais. Pas bon, tapine. C'est pas comme s'il en avait 100 à son actif. C'est non, pas lui, faux. Je me rappelle, c'est le premier match qu'on avait débriefé avant, sur la saison 2023-2024. Marseille-Milan, Milan-OM vintage, on nous dit. Et but de la Talenta. Triplé de la Talenta, donc ça part en prolongue pour le moment à Bergame, mais comme à Leverkusen également. Merci, les amis. Merci à tous. Merci. Et ben, demain, le tirage au sort, 11h30, Ligue des Champions. 11h30, ouais. Autour 11. 11h30. 11h30, autour de Sofiane. Je vous regarderai avec grande attention. Et moi, je vous retrouve dimanche. Dimanche. Ce qu'on peut toncer, c'est gros manche. C'est du miel. Ça te permet de retrouver. J'ai deux activités ce soir pour m'en mettre en forme. Je dis rien. Tu vas regarder Top Chef. Bonne nuit. Merci à Arthur en régie, merci à Lucas et Numa au bureau. Je vous embrasse et passez une bonne fin de semaine. Et à demain. À demain, 11h30.